الله 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 العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. وقوم السمينار il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur sur vous aujourd'hui. ولا أنتم تحزنون et vous ne serez pas chagrinés, vous ne serez pas tristes. الذين آمنوا بآياتنا. Il s'agit de qui? Il s'agit de ceux qui croient en nous à Ayat. Les Ayat d'Allah Azza wa Jal. Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Karim, les versets et les signes d'Allah Azza wa Jal. Les signes et les mu'jizat qu'Allah Ta'ala a donné aux Anbiya Kiram et particulièrement à notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ladina bi Ayatina wa kanu muslimin. Et ceux qui étaient musulmans. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez donc dans la jannah. Vous et vos épouses. Tuhbarun, vous serez tout le temps et éternellement dans le plaisir et dans le bonheur. Yutaf alayhim bi sihafim فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. On passera à distribuer parmi eux de صحاف من ذهب, des plateaux en or, ou à quoi, et avec des verres aussi en or. وفيها ما تشتهيه الأنفس. Qu'est-ce qu'il y a dans ces récipients? Qu'est-ce qu'il y a dans ces plateaux et dans ces verres? Et qu'est-ce qu'il y a dans la jannah d'une manière générale? وفيها ما تشتهيه الأنفس. Il y a ce que donne le plaisir. ما تشتهيه الأنفس, ce que les âmes ont envie d'avoir, ce qui fait le plaisir de l'âme. وتلذ الأعين, de regard. Rien que regarder ce plaisir dans Al-Jannah, c'est quelque chose qui est très important et qui est réconfortant et réjouissant. Et vous y serez pour l'éternité. Vous y serez, Khalidun, ça veut dire à tout jamais, sans jamais de mort, sans jamais d'interruption de ce plaisir. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Voilà la jannah que vous avez gagnée par héritage grâce à votre action, bonne action que vous étiez en train d'accomplir dans la dunya. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Vous y aurez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits et vous en mangerez autant que vous voudrez. Allah subhanahu wa ta'ala écrit dans le Coran al-Karim al-Jannah. Dans al-Jannah, al-Mu'min, al-Muslim, quand il vient pour entrer, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce qu'il a al-Qabul et al-Rida pour al-Qur'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui
Mais c'est quoi cette jannah? Allah Ta'ala dit, Ya ibadi, ou mes ibadi qui m'étaient dans cette dunya, tout le long de cette dunya avec les balas, tout le long de cette dunya, vous étiez dans les tracas, tout le long de cette dunya, vous étiez dans le taklif, tout le long de cette dunya, alors que vous étiez responsable d'un amal, vous auriez dû faire comme ci plutôt que comme ça. Maintenant, c'est l'heure de la récompense. Ya ibadillah, khawfun alaykum al-yawm. Aujourd'hui, il n'y a pas de peur sur vous. Aujourd'hui, vous ne risquez rien du tout. La khawfun alaykum al-yawm. Ça veut dire à partir de ce jour-là, une fois qu'il y a eu la kisab, yawm al-qiyam. La khawfun alaykum al-yawm. Wa la antum tahzan. Vous ne ressentez aucune tristesse. C'est fini. La tristesse, c'était dans dunya. C'est fini maintenant pour les ribas, pour les mouminis. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Avant de dire Udkhulul jannata, il s'agissait de qui? Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ceux qui croient en nos ayats, mais d'une manière accomplie. Alladhina amanu bi ayatina. Ceux qui croyaient en nos versets, en nos signes, d'une manière accomplie. Croire avec amal. Croire avec action. Croire et agir en conséquence. Alladhina amanu bi ayatina. Wa kanu muslimin. Parce que ce n'est pas pour les non-mu'minin. Ce n'est pas pour ceux qui étaient des mécréants. Il s'agit des muslimin. Allah Ta'ala, il leur dit, Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Entrez donc dans Al-Jannah. Vous et vos époux. Vous allez vivre dans la joie et dans le bonheur. Yutafu alayhim bi suhafin min dhahabin wa akwar. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talabtu al-a'yun. Et on passera à distribuer parmi eux. C'est qui? C'est les serviteurs dans Al-Jannah. Et les serviteurs dans Al-Jannah ne sont pas des bachars. Ne sont pas humains. Les serviteurs dans Al-Jannah ne sont pas des djinns. Les serviteurs dans Al-Jannah ne sont pas des anges. Il s'agit d'enfants paradisiaques. D'enfants que Allah Ta'ala a créés pour Al-Jannah, de Al-Jannah. Ceux-là n'ont rien à voir avec les bachars, les djinns ou les anges. Cela qu'on appelle Al-Wildanun Mukhallafun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le minimum pour ces mu'minis qui sont dans Al-Jannah. Lorsqu'ils vont avoir un minimum de l'Wildan Al-Mukhallafun, ces enfants au service des mu'minis, c'est 10 000 en train de les servir. Plateau en or et plateau en argent. Et ils vont passer au travers de ces muslimis. En train de leur servir. Et avec quoi? C'est pas avec les plateaux du dunya, c'est avec les plateaux de l'Jannah. Le suhaf min dhahabin wa akwar. Ça veut dire les plateaux en or et les verres en or. Tout cela pour servir les mu'minin pour qu'ils ressentent le plaisir éternellement. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talabbu al-a'yun wa antum fiha fariqun. Il y a dans Al-Jannah, et il y a dans ces plateaux-là, et dans ces verres, ma tashtahih al-anfus. Ça veut dire ce qui fait le plaisir de l'âme. Al-insan, il ressent donc le grand plaisir. Il est content, il est joyeux. Il est dans cette Jannah, en train d'être servi dans un bonheur éternel. Wa talabbu al-a'yun. Même le regard, c'est quelque chose qui est réjouissant. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Voilà Al-Jannah que vous avez gagné en héritage. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Grâce à vos bonnes actions que jadis, ça veut dire au cours de la dunya. Au cours de la dunya, avec les balas et le taklif, avec les musibas ou avec les responsabilités, lorsque vous étiez toujours dans l'iman et l'islam, et vous étiez toujours dans le droit chemin, voilà ce que vous gagnez en héritage. Allah Ta'ala dit « Lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kulun » Vous
environ abondante. Minha Koulun, et vous en mangerez autant que vous voudrez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ibni l'A'lam, akhira ahli nari khuruja minha. Je connais qui est-ce le dernier des hommes à sortir de Jahannam. Wa akhira ahli jannati dukhula lil janna. Et le dernier homme à entrer dans la Jannah. Je connais le dernier homme de l'enfer à quitter l'enfer. Et je connais le dernier homme de Jannah à entrer dans la Jannah. Et bien joué, cet homme, يخرج من النار حقوا. Il va sortir de Jahannam en train de ramper sur son ventre. Tellement il était dans le châtiment. Il n'arrive pas à se dresser, il sort de Jahannam en rampant sur son bas. Allah Ta'ala lui dit, idhhab fadkhul lil jannah. Allah Ta'ala lui dit, va et entre dans la jannah. Il avance, il arrive vers la jannah. Fayukhayyalu ilayhi annaha malha. En regardant la jannah de l'extérieur, il pense, il lui semble, que le Jannah, il n'y a plus de place. C'est rempli. Alors il retourne et il dit à Wajatuha Malha. Je trouve que le Jannah est rempli, il n'y a plus de place. Allah Ta'ala qui lui dit une deuxième fois, idhhab fadkhul lil Jannah. Va et entre. De nouveau il avance. Et de nouveau il regarde. Et de nouveau il lui semble que le Jannah est rempli. Il retourne. Et Allah Ta'ala pour la troisième fois qui lui dit, اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال. فإعادة الجنة إذ يراد الجنة لكبلان دولة الدنيا إذ يفوى بس أكبر لكبلان دولة الدنيا سيكوى لكبلان دولة الدنيا سيبا سو دنيا لوي كس كي لابي غنيه دان دنيا L'équivalent de dunya, ça veut dire la terre entière avec la richesse de la terre entière. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre comme richesse? Qu'est-ce qu'il y a comme espace? Qu'est-ce qu'il y a comme plaisir dans dunya? Tu l'auras et 10 fois plus encore. Et Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, qui rapporte ce hadith, il dit, nous les Sahara, nous disions entre nous, que cet homme-là, dernier homme à quitter Jahannam, dernier homme à entrer dans la Jannah. Allah Ta'ala qui lui donne dans la Jannah. L'équivalent de la dunya est 10 fois plus encore. On disait que cet homme est celui qui a le minimum de plaisir dans la Jannah. Si le minimum d'espace dans la Jannah, le minimum de plaisir dans la Jannah, c'est d'avoir des propriétés qui sont l'équivalent de la dunya et 10 fois plus, qu'est-ce que c'est alors pour quelqu'un qui est moussolli, quelqu'un qui est moukmen, quelqu'un qui veut rester dans le droit chemin, quelqu'un qui fait tant qu'il le peut, ibadah et dhikrullahi ta'ala, tant qu'il le peut, il est charitable, tant qu'il le peut, il apprend et il enseigne à dire. Inch'Allah ta'ala, nous avons espoir pour quelqu'un comme celui-ci. S'il a au moins la sincérité, il gagne certainement beaucoup plus. Et qu'Allah Ta'ala nous accorde à nous. Ce hadith donc et la aya que nous avions citée avant ne parle de cette félicité dans Al-Jannah qui est éternelle. Cette félicité de Al-Jannah qui est accordée à celui qui est musulman et qui est mu'min. Bien entendu, il y a une différence entre un musulman qui fait des péchés et un musulman qui ne fait pas de péchés. Le musulman qui ne fait pas de péchés, voilà quelqu'un qui est taqi. Et celui qui est taqi, il entre dans le Jannah avec les premiers. Il entre dans le Jannah et il ne passe pas par Jahannam. Celui qui était musulman et qui commettait des grands péchés et qui n'avait pas fait tawba après les péchés, celui-ci, il risque d'aller dans Jahannam. On ne peut pas savoir, nous, maintenant, qui, parmi les musulmans, qui
qui avait commis des péchés, entre dans Jahannam ou n'entre pas dans Jahannam. Nous, on ne peut pas savoir. Nous, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui a commis de grands péchés, il n'a pas fait tawba, il mérite Jahannam. Allah Ta'ala pardonne à qui? Mais de toute façon, une fois gagné Al-Jannah, dans Al-Jannah, il y a des na'im comme à tout le monde. Dans Al-Jannah, tout le monde aura la santé éternelle. Tout le monde aura la jeunesse éternelle. Tout le monde aura le plaisir et le bonheur éternel. Tout le monde aura une vie sans jamais connaître Al-Mawt une deuxième fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit que dans Al-Jannah, lorsque les gens de Al-Jannah entreront dans Al-Jannah, Allah Ta'ala ordonne à un ange d'appeler. Et il leur dit à Al-Jannah, au bout les gens de Al-Jannah, « Inna rakum al-tahyaou fala tamutu abada » Vous avez la promesse de vivre éternellement sans jamais mourir. « Wa inna rakum al-tashibu fala tahramu abada » Vous avez la promesse de rester jeune sans jamais vivre. « Wa inna rakum al-tashibu fala tasqamu abada » Vous avez la promesse d'avoir la santé éternelle sans jamais ressentir aucune souffrance et aucune maladie. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Et vous avez la promesse d'avoir le na'im éternel. Tout le temps le bonheur, tout le temps le plaisir, tout le temps content, sans jamais à aucun moment un moment de tracas ou un moment de tristesse. Ça c'est comme à tout le monde. Comment à tout le monde d'avoir une jeunesse, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, avec l'apparence d'un jeune homme ou d'une jeune dame de l'âge de 33 années. Jeunesse, mais avec un cœur immense, comme le cœur de Sayyiduna Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il faisait 60 coudées. 60 coudées, ça veut dire à peu près 27 à 30 mètres. La jeunesse avec aussi un éclat de bonheur qui est resplendissant sur le visage et ça se voit avec une beauté comme il était sallallahu alayhi wa sallam, comme le degré de beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et plus le mu'min est taqi, et plus le mu'min fait des ibad, et plus il a des bonnes actions, plus ça se voit sur son éclat et splendeur de visage, et plus ça se voit sur ce qu'Allah Ta'ala lui donne comme na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans le Coran Karim, nous décrit Al-Jannah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous décrit Al-Jannah. Il dit dans les hadiths, et il dit dans le Coran Karim beaucoup de descriptions. Cette Jannah qui est verdoyante, cette Jannah qui est tout le temps éclairée, cette Jannah où il n'y a pas de chaleur, cette Jannah où il n'y a pas de froid, cette Jannah où il n'y a pas de célibataire, cette Jannah où même celui qui est décédé, intiqal, alors qu'il était tout petit, quand il entrera dans la Jannah, il sera jeune de l'âge de 33 ans. Il n'y a pas de célibataire, même pour un enfant, un bébé qui est intiqal, lorsqu'il va être dans la Jannah, Allah Ta'ala le mariera. Même quelqu'un qui était âgé et vieux, il va arriver dans la Jannah et il est jeune. Et même celui qui avait des handicaps dans le monde, dans la Jannah, il n'y a aucun handicap. Tout le monde aura une santé éternelle et un bonheur éternel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, le premier groupe qui entrera dans Al-Jannah, Allah Ta'ala leur donne à l'entrée, dès leur entrée dans Al-Jannah, un visage resplendissant comme si c'est la pleine lune. Et dès l'entrée, Allah Ta'ala mariera ce mu'min qui entrera dans Al-Jannah avec deux fourri. On les appelle Al-Hur Al-Ghin. Al-Hur Al-Ghin, ça veut dire pluriel tuhawra aïna. On a
dire, l'œil, l'œil de cette dame, il est le blanc, il est blanc net, et le noir, le contour, il est noir net. C'est pas comme la majorité des yeux où il y a un peu de couleur. Eh bien là, il s'agit de la couleur noire, d'un contour noir. Et ça, c'est rare. Notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait les yeux noirs. Lorsqu'on parle des yeux noirs, ça veut dire qu'on est en train de parler de ce contour qui est pour la majorité des bachats. Soit en couleur, soit un petit peu en couleur. Mais lorsque c'est vraiment noir, noir net, ça c'est le plus rare. Et dans Al-Jannah, on l'appelle Hadra par rapport à cette netteté de la blancheur de l'œil et par rapport à la netteté de cette noirceur de l'œil. Et on l'appelle Ajina parce que l'œil, il est très grand. Alors, Al-Fur, les dames paradisiaques. Et puis après, Allah Ta'ala augmente à qui il veut, autant qu'il voudra. Il est dit dans le hadith que le shahid de la guerre aura dans Al-Jannah 100 degrés. Chaque degré, entre 2 degrés, c'est comme ce qu'il y a entre deux yeux. Deux samas. Ça veut dire 500 années de voyage. Ça, c'est pour le shahid. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous parle du shahid, il dit, le shahid, quand on l'interroge et on lui dit, qu'est-ce que tu aurais voulu gagner après maintenant ta shahada et après le plaisir que tu gagnes dans Al-Jannah? Parce que le shahid, il connaît Al-Jannah tout de suite une fois qu'il a gagné la shahada. Une fois qu'il a gagné le martyr, son ruh monte directement dans Al-Jannah. On lui dira quel plaisir tu aurais voulu avoir. Il dit, je voudrais bien revenir dans Dunya et regagner le martyr encore deux ou trois ou autant de fois que je voudrais. Parce qu'il a vu, il a constaté, il a contemplé le Naïm. Et alors, celui qui n'est pas comme le shahid, lorsqu'il va gagner Al-Jannah, Allah Ta'ala lui annonce. Pas seulement il va entrer dans Al-Jannah et il va être content et contempler cette Jannah. Allah Ta'ala ne lui annonce avant Udkhulul Jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez donc dans Al-Jannah. Vous et vos épouses tuhbarun et vous allez y vivre éternellement dans le bonheur. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans le Coran Al-Karim que les arbres dans Al-Jannah, les troncs sont en or ou en argent. Que lorsque le mu'min dans Al-Jannah, il a envie d'avoir un fruit, le fruit arrive devant lui. Lorsqu'il a envie de voir un ami ou un proche, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le trône sur lequel il est assis, il se lève, il s'envole et il l'amène là où il voudra. Allah ta'ala nous dit dans le Coran Karim que lorsque le mu'min entre dans Al-Jannah, et lorsque lui, il a un très très haut degré, parce que c'était un taqi ou un wali ou un grand alim. Lorsque quelqu'un de sa famille, sa fille ou son enfant ou son petit enfant, n'avait pas autant de taqwa que lui, et lui, ça lui fait plaisir de l'avoir à ses côtés, bien, rien que pour son plaisir, Allah Ta'ala élèvera le degré de ce petit-fils et de ce proche pour qu'il vive avec son ancêtre ou son proche qui était taqi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que dans Al-Jannah, personne ne ressent la faim, personne ne ressent la soif, personne ne ressent aucune fatigue, au point que dans Al-Jannah, personne ne dort. Parce que le corps ne s'épuise pas. Pourquoi dormir alors que le corps ne s'épuise pas? Ne ressent aucune fatigue. Celui qui mange dans Al-Jannah, pourquoi mange-t-il alors? Celui qui boit dans Al-Jannah, pourquoi boit-il alors? C'est parce qu'il mange et il boit par envie et par plaisir. Dans Al-Jannah, il n'y a pas d'obscurité. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a tellement de lumière, mais pas une lumière qui brille comme ça dans les yeux et qui fait du mal. C'est quelque chose qui est salutaire. Il a dit, alayhi salatu wa salam, si une dame de Al-Jannah montre tout simplement sa main dans notre dunya, si une dame de Al-Jannah montre juste sa main dans notre dunya à nous, eh bien, il n'y aura plus d'obscurité dans notre dunya, tellement c'est éclairant. Et il dit, alayhi salatu wa salam, qu'elle passe.
dans Al-Jannah. Ce n'est pas une maison construite comme on a l'habitude de construire. C'est une perle. Mais la perle est creusée de l'intérieur pour faire des salons et des pièces et des couloirs. Et c'est comme ça que vivent les gens dans Al-Jannah. Allah Ta'ala nous dit que dans Al-Jannah, il y a des rivières de lait, des rivières de miel et des rivières de khamr. Le khamr ici, il s'agit du vin, mais pas la boisson alcoolisée. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est en ligne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit Al-Jannah. Il dit que dans Al-Jannah, il y a de l'encens, le bain. On brûle le bain pour parfumer de partout. Et ce bain-là, il est dans des encensoirs, mais les encensoirs sont faits de l'aloès. D'habitude, le louvain le plus cher, il est de l'aloès. Alors si l'encensoir est de l'aloès, c'est quoi le louvain qui est à l'intérieur? C'est encore beaucoup plus cher et beaucoup plus parfumé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de déchets dans Al-Jannah. Quelqu'un est venu lui dire, ya Rasulallah, comment ça? Les gens, ils mangent. S'ils mangent, ils vont avoir des déchets. Il a dit non, quand ils mangent, ils remplissent le ventre et ils sont contents. Comment ils vont évacuer? Ça va s'évacuer avec la transpiration de la sueur. La sueur qui se dégage de leur corps, elle est comme le muscle. Et voilà que le ventre, de nouveau, il est vide. C'est ainsi qu'il n'y a pas de déchets dans Al-Jannah. Il n'y a pas de saleté dans Al-Jannah. Il n'y a pas de rancœur dans Al-Jannah. Même ceux qui étaient dans le dunya, avec un peu de différent, avec un peu de problèmes, discussions par-ci, problèmes par-là, et bien quand ils seront dans Al-Jannah, Allah Ta'ala dit « Ikhwanan ala surim mutaqabilin »« Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil » Nous avons éliminé, nous avons sorti, nous avons nettoyé leur cœur de ce qui était comme rancœur ou ennemité. Ils seront des frères à la sourde mutaqabili sur des trônes les uns face aux autres. Allah Ta'ala nous dit dans Al-Jannah, lorsque le insan il rencontre ses amis, ils vont se rappeler les mémoires de la dunya. Nous étions dans les moments comme ci, dans les événements comme ça, comment ils étaient dans la dunya. Tout ça c'est des. Mais tout ce qui est écrit dans le Coran et dans le Sunnah, c'est comme ça. Tout ça, c'est quelque chose que n'importe qui dans Al-Jannah peut l'avoir. Mais ce qui est réservé à ceux qui sont taqis n'a pas été écrit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jalla dit A'adattu li'ibad as-salihin. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ma la aynu ra'at, ce que aucun œil n'a jamais vu. Voilà أُذْنٌ سَمِعَتْ ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Voilà خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ et ce que aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Jamais un cœur humain n'a imaginé ce que Allah Ta'ala a préparé, a réservé spécialement pour ceux qui sont taqis. Le basilic, le parfum, le musc, les rivières d'eau de miel, les épouses à tour l'aïm, tout ça c'est commun. Et ce qui est réservé pour les taqis, ça n'a pas été décrit. Ils ont quelque chose de plus que personne ne peut connaître tant qu'on n'est pas entré dans la jungle. Et Sayyidina Abu Hurayra radiallahu ta'ala, il dit, lisez si vous voulez pour preuve, Qur'an Karim, Allah Ta'ala a dit, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce que Allah Ta'ala leur avait préparé comme na'im, comme félicité, et ce, parce que c'est une récompense par rapport à leurs bonnes actions. Subhanallah, Alhamdulillah.